Comment va se passer le mois d'octobre pour les Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson? J'ai fait tous les autres signes sur la chaîne, alors n'hésite pas à aller voir. Eh ben vous, on peut dire que vous allez être plutôt tranquille. C'est-à-dire que tous les autres signes vont ramasser leur mère. Vous, vous avez les énergies les plus cools. Autant vous dire qu'il y a tout le reste du zodiaque qui est un petit peu en train de vous jalouser. En tout cas, d'un point de vue énergétique, ça va être cool. Ça veut pas dire que dans le concret, dans les choses qui vont se passer dans la vie réelle, ça va pas être remuant. Mais énergétiquement parlant, vous avez les énergies les plus cools. Détendez-vous et profitez. Enfin, essayez. Parce que c'est peut-être ça, justement, le truc que vous avez à passer, c'est d'accepter d'avoir un moment cool. Parce que parfois, c'est compliqué quand on a des moments cool. On est tellement habitué au chaos qu'on ne sait plus comment faire. Profitez de ce temps pour relâcher la pression. Ça va être une période de soulagement pour vous parce que vous avez passé justement des mois qui ont été extrêmement compliqués. C'était des mois qui étaient chaotiques et dans lesquels vous avez eu la sensation de vous battre. Rien n'allait vraiment sur un petit peu tous les domaines. Vous avez eu le sentiment que tout était stagnant, qu'il y avait pas mal de blocages et que vraiment vous étiez en train de ramer contre le courant. Vous avez peut-être même eu l'impression de temps en temps de boire la tasse. Ou même d'avoir l'impression que carrément vous alliez vous noyer. Mais je vous rassure, tout reprend son cours. On rentre dans un rythme de mouvement. C'est un mois de chance, alors essayez de ne pas être trop négatif parce que vos manifestations vont vraiment arriver très vite. Donc si, dans votre tête, vous êtes en train de penser du négatif, il va vous arriver du négatif. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de vous détendre et d'accepter que là, vous êtes dans une période cool. Parce que si vous êtes en recherche de chaos, parce que vous avez l'habitude d'évoluer dans du chaos, vous allez amener à vous du chaos. Vous voyez le délire un peu? Donc attention à l'auto-sabotage et bon courage!